crossroads where we pause. Rêveur, comme à l'espagnol André Brossel, qui développe le panneau solaire du futur qui pourrait être installé sur la façade de nos habitations versus les toits des immeubles ou des maisons. Donc c'est vraiment une invention mobile très prometteuse parce qu'elle permet de récupérer beaucoup plus de soleil que les panneaux solaires classiques. Mais mieux que moi, je vous propose d'écouter André, surtout qui nous parle de son projet. Utilisant les propriétés optiques d'une sphère transparente remplie d'eau, André Brossel a imaginé un capteur solaire unique en son genre qui allie efficacité et esthétisme, le Rolemon. L'idée est à terme d'intégrer les sphères dans des panneaux de vitrage pour les façades des bâtiments de demain. Imaginez un immeuble qui a 1000 mètres carrés de façade et seulement 100 mètres carrés de toiture. Si vous y installez des panneaux photovoltaïques conventionnels, vous ne couvrirez même pas 20% de sa consommation énergétique. Mais si vous équipez la façade, vous pourrez alimenter tout l'immeuble en énergie. Donc projet très ingénieux et aussi très esthétique. En tout cas, ce projet autour de panneaux solaires nouvelle génération n'est pas le seul en développement et pour cause.